Et là, aujourd'hui, j'ai passé l'entretien oral. Bon, du coup, j'ai passé les tests écrits ce matin. Ben, j'ai eu mes quatre parties de tests écrits, donc anglais, qui a duré 20 minutes. Donc, en gros, t'as 20 minutes max. Après, tu peux finir avant. Et ensuite, du coup, j'ai fait culture générale. Et là, c'était vraiment très très varié. Il y avait de l'histoire, il y avait de l'orthographe, il y avait de la grammaire, bah de la culture G, quoi. Vraiment des trucs, des connaissances, quoi. Il y avait des choses actuelles aussi. Il y avait aussi beaucoup de communication. Et ensuite, du coup, j'ai fini par la culture professionnelle qui est en deux parties. Après, je sais très bien que les tests écrits, ça fait pas tout quand tu passes tes concours. Enfin, ça dépend des concours. La dernière fois, je vous racontais les tests écrits, donc je ne sais plus du tout, je me suis arrêtée. Et là, aujourd'hui, j'ai passé l'entretien oral. Et je pense que dans la globalité, ça s'est bien passé. Voilà, c'était par visio, du coup. Maintenant, j'ai peur des résultats, j'ai peur du coup de fil qu'on va me passer. Je vous commence ce vlog un peu de façon inattendue. On est samedi 24 avril. J'ai décidé de vraiment ranger à fond mon placard. Donc je vais faire ça. Et pareil, mon Vinted sera en barre d'infos. Et voilà, donc on va faire ça. Je pense que ça va être pas mal de boulot. Je prends le jean en basique. Ce haut j'adore. Je l'avais acheté bah pareil l'année dernière, mais en fait j'ai pas vraiment pu l'occasion de le mettre. Ça, je vais vendre aussi. Donc du coup là j'ai tout rangé. Là du coup c'est toutes les affaires que je vais vendre. Et du coup là c'est pareil, j'ai tout rangé. Vous voyez, ça a vachement diminué. Bon, après les affaires d'été, c'est j'ai beaucoup de petits hauts et tout, donc ça s'accumule bien. Quoi mon intro, c'est une blague. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Et aussi on est sur une varicelle du visage. Donc je pense qu'on va bien être dans la lancée là, puisque je vais rentrer dans ma période d'examen, dans ma recherche d'alternance et tout ce qui va avec. Il est 10h45 aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire et que je dois vraiment faire. Je dois envoyer quelques mails de recherche d'alternance. Je sais que vous avez été beaucoup à me demander ce que je fais l'année prochaine, où je vais. Je vais pas vous en dire plus dans cette vidéo, je vous ferai une vidéo un peu plus... De toute façon, je répondrai à vos questions sur ce que je fais l'année prochaine et je vous ferai aussi une vidéo sur la fin de mon cursus, donc de mon BTS communication dans sa globalité, sur mes stages, mais quand j'aurai fini mon examen et quand j'aurai eu les résultats. Je suis prête. Donc là j'ai mes colis Vinted. Let's go Leclerc déposer les colis et faire mes petites courses. Il est 15h, donc là je vais me changer, en fait je vais aller dehors poncer mon bureau, parce que un tabouret que j'avais ici là et que je vais repeindre de cette couleur là, l'encadrement et la porte. Aujourd'hui on est vraiment sur un temps, je pense que ça annonce clairement le début de mes révisions. J'ai reçu deux colis, donc un où je savais que j'allais recevoir parce que j'avais reçu des mails etc. Donc... Et l'autre truc, je ne savais pas que j'allais recevoir aujourd'hui, en fait c'est en ouvrant la boîte aux lettres, j'étais grave étonnée. Beaucoup plus tard dans le vlog. On est mercredi 5 mai. En 5 jours, c'est le début de mes épreuves. Hier, j'ai fini tout mon dossier
pour mon oral, donc je suis contente que ça te fait. Donc je voudrais revenir sur l'écrit, qui est donc en deux parties. Vous obtiendrez 0 sur 10 questions qui commencent par « In your line of business ». Je vais aller chercher les courriers. Je pense qu'il n'y a personne. I told you that some months ago. Voilà, ça donne ça avec de la crème et du vinaigre, je vous jure. Ça, c'est vraiment très bon avec ce petit mélange là. Normalement, avec du riz, c'est encore meilleur, mais flemme. Ouais, bon, je suis des pâtes là. Voilà, ça change des derniers plans où je suis pas du tout préparée. Bon, là, du coup, on est le lendemain d'hier. Donc aujourd'hui, là, je vais faire des courses, enfin quelques courses pour la semaine prochaine et tout. Voilà, je dois passer aussi. Au relais les colis, puisque j'ai un colis, j'ai eu une petite commande hier. En boisson, j'ai juste pris ça. Et bon, j'essaie de boire un peu moins de coca, donc. Mais c'est super bon, ça était hyper frais. Et je sais que par exemple, mon père il aime pas trop l'iced tea à la pêche. Enfin, l'iced tea quoi. Et du coup, ça c'est une alternative. Et c'est au citron vert et à la menthe. Et franchement, je trouve ça super bon, hyper rafraîchissant. Ensuite, j'ai pris des petites fraises, j'ai pris des gariguettes. Ensuite bon j'ai pris des trucs du coup pour la semaine prochaine pour mes examens. Donc des encas et des trucs pour le matin. Enfin voilà, donc pas très intéressant. J'ai pris des pommes potes parce que ça cale de ouf. Voilà, j'ai pris des pick-up parce que c'est aussi la base. C'est les trucs que je prends tout le temps pour mes examens. C'est mes yaourts faves. Les veloutés fruits à la pêche, trop bon. Je bouffe que ça comme yaourt, c'est incroyable. Ensuite j'ai pris ça, c'était en promo maxi format des bars. Je voulais en prendre de toute façon. Si vous voulez aller en BTS.com ou si vous êtes en BTS.com, les calculs sont pas compliqués à chaque fois. Je sais qu'au dernier BTS blanc que j'ai fait, il n'y avait pas de calcul. Et le premier, moi j'ai vu la moitié des points parce qu'il y avait un calcul, j'avais pas compris. Mais sinon, tu peux toujours récupérer des points sur les calculs même si t'es nul. Hein. Moi en maths, je vous jure, j'ai eu 6 au bac, je crois. Toute l'année, j'avais 3 de moyenne. C'était vraiment, voilà. En fait, c'est une question qui revient beaucoup, surtout sous ma vidéo BTS.com. Ça, je vous le redirai quand je vous ferai mon bilan des 2 ans de BTS.com. Si vous êtes nul en maths, ce n'est pas grave. Donc j'ai pris de l'après-shampoing de Timothée, c'est mes préférés. Et j'ai repris un mascara. Alors lui, je l'ai pas essayé, j'en avais essayé un, il était vachement bien, mais je l'ai pas retrouvé. Et du coup, je me suis repris un mascara parce que le MAC que j'ai, il y en a presque plus. Petite vidéo avant mon entretien, là, il est 30. Je me suis changée de tenue 3 fois, enfin, sachant que c'est que le haut en plus. Je suis stressée. Voilà, là, je peux le dire, je suis stressée à donf. Voilà, c'est bon, c'est fini. J'ai terminé il y a à peu près une demi-heure.